La richesse, à flots entassés, s'accroît dans tes mains chaque jour. Mais sera-t-elle dispensée par l'égoïsme ou par l'amour? Verrons-nous, les croyants bannis, l'injustice et les tyrannies, dans nos foyers rentrés plus tard, des fruits de la terre promise, que tant de douleurs ont conquises, le pauvre obtiendra-t-il sa part? Verrons-nous une ère avilie, un siècle avare et sans essor, où toute grandeur s'humilie, sous la main qui possède l'or? La science a trouvé des mondes, aplani les monts et les ondes, dompté leurs fauves habitants. Vers un autre Éden elle aspire. Est-ce pour en livrer l'Empire aux sordides mains des traitants? Nos travaux rapprochent les villes, unissent les deux océans. Verrons-nous des haines civiles, les abîmes toujours béants? Toujours l'un à l'autre contraire, ferons-nous du mal de nos frères, le but de nos ambitions? Abjurons enfin nos discordes, comme une lyre à plusieurs cordes, la terre à plusieurs nations. Tous enfin, la famille entière, riches, pauvres, grands et petits, avons-nous dompté la matière pour en garder les appétits? L'âge d'or vu par nos prophètes, n'est-ce que du pain et des fêtes? Le cœur n'a-t-il donc pas ses mots? L'homme vit-il dans la nature de rien chercher que la pâture qui trouve de vils animaux?